Joueurs de la squadra, le stade olympique à guichet fermé, 70 000 personnes aux couleurs du vert, du blanc et du rouge, les couleurs de l'Italie. La composition des avants italiens avec le retour cette fois comme titulaire du pilier droit Simone et Ferrari. Le retour également troisième ligne de Sébastien Negri avec le numéro 6. Et pour les trois quarts, on va arriver à consonance française hein, puisque Pagerello et Garbisi font la charnière. Maintenant Mancino qui était à l'aile repasse au centre pour ce match. Brex, Capuzzo à l'arrière aussi, Lioane qui joue aussi en France, et la première sélection du fils de Michael Leiner, Louis Leiner. La sélection écossaise avec un changement opéré par Tausen dans le pack. Première comme titulaire dans ce tournoi d'Andy Christie avec le numéro 6 qui prend la place de Jimmy Ritchie. À la mêlée, c'est Horn qui joue à la place de Ben White. Après, c'est quasiment du classique. Russell à l'ouverture. Jones au centre. Espace qui prend la place de Tupolo qui s'est blessé la semaine dernière. Van Dermeer qui a mis trois essais contre les Anglais la semaine dernière. Et Steins et Kinghorn, le Toulousain. Le banc des remplaçants avec 5 avant et 3 arrière du côté de l'Italie. 6 avant et 2 arrière du côté de l'Écosse. Et dans ce match, un beau face-à-face original avec lui, Ange Capuzzo, numéro 15 de la squadre, et Berkin Horn, l'Écossais, deux joueurs du Stade Toulousain. Exactement, deux joueurs qui évoluent au Stade Toulousain, qui sont en concurrence au poste d'arrière au Stade Toulousain, même si Capuzzo peut aussi également jouer à l'aile. Mais voilà, ils vont se retrouver sous des maillots différents aujourd'hui. Et une belle après-midi en perspective, puisque c'est deux joueurs qui ont des cannes, qui adorent jouer le ballon à la main, et voilà, qui ont beaucoup d'allant dans le rugby. Rivaux à Toulouse, face à face aujourd'hui pour ces deux joueurs. L'arbitre du match est un Australien, c'est monsieur Angus Garner. Il avait arbitré une demi-finale de la dernière Coupe du Monde, assisté de deux Anglais, monsieur Carl Dixon et Adam Lille. C'est le Sud-Africain Marius van der Westhuizen qui sera l'arbitre vidéo de ce match. L'enjeu de ce match est aussi la Cutita Cup, ce trophée qui est mis en jeu depuis 2002 quand l'Italie affronte l'Écosse. Premier match de cette quatrième journée du tournoi Destination ici à Rome. Le coup d'envoi de Paolo Garbisi, le néo-toulonnais. Puisqu'il portait en début de saison les couleurs de Montpellier pendant le tournoi, eh bien il a émigré du côté de la rade. Ah ben c'est tout de suite une pénalité, puisque c'est l'Écossais qui n'a pas lâché le ballon au sol. L'Italien était là pour gratter cette balle. De quoi bien rentrer dans cette partie avec une pénalité. Je pense qu'ils vont tenter cette pénalité pour essayer de prendre le score très très vite dans la partie. Et ouais, Garbisi qui a fini le match contre la France avec une pénalité. Quasiment au même endroit. Ouais, et qui là va inaugurer ce match avec une nouvelle pénalité. On va le surveiller. Ça va certainement cogiter dans sa tête. Mais je pense qu'il va surtout être très vigilant pour bien poser le ballon afin que celui-ci ne tombe pas comme ça a été le cas lors de la dernière seconde contre l'équipe de France. Mais oui, cette pénalité, c'est marrant d'ailleurs, elle est quasiment au même endroit que contre la France. Donc on revoit cette faute. Hein. Donc le ballon, voilà. Le joueur italien est bien positionné sur ses appuis, prêt à jouer ce ballon.
et le joueur écossais garde la balle au sol. C'est une pénalité évidente. Pour ouvrir le score ici à Rome, Paolo Garbisi, je le disais, donc, qui a pris le tournoi, eh bien, portera les couleurs rouge et noir. Tiens, oh, regardez, c'est incroyable. Le ballon de Garbisi, il a un petit sourire d'ailleurs. On a vu le rectus de Garbisi. Ah, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Pied gauche. Et cette fois, ça passe. Il n'a pas touché le poteau. L'Italie. Regardez le sourire. Ah, c'est belle image. Très, très belle image. Paolo Garbisi. Si on avait voulu l'écrire dans un livre, personne n'y aurait cru. C'est quand même. Exactement. C'est quand même incroyable. Ben c'est bien qu'il en rit, ça veut dire qu'il supporte plutôt bien cette pression-là. Allez, 2 minutes de jeu ici au Stade Olympique de Rome. L'Italie prend le score grâce à Garbisi donc, sur cette pénalité. L'Italie mène 3-0. Attention à la réponse des Écossais. Belle prise de balle, on va falloir qu'ils s'appliquent à bien sortir de leur camp les Italiens. Certainement Pajarello qui va taper directement. Ah non, il préfère jouer un temps de jeu avec ses avants et ses trois quarts aussi. Garbisi. Jeu à la main des hommes de Gonzalo Quesada pour sortir de leurs 22 mètres avec Ange Capuzzo. Nouveau point d'ancrage, ballon libéré. Pacerello. Et les avants au soutien pour enchaîner dans l'axe avec Ferrari et Canone. Passage par le sol. Pacerello qui demande du soutien. Il va certainement placer son pied gauche. Le joueur formé à Lille Jourdain dans la région toulousaine et aujourd'hui à Lyon. Il va falloir mettre du pied effectivement pour sortir de cette pression tout de même. Ah, c'est un petit peu court. Il a dévissé avec son pied droit. Le ballon est récupéré. Il y a en avant d'un joueur italien. Ouais, c'est important le jeu au pied des numéros 9 comme ça derrière. C'est les regroupements. C'est très important parce que ça permet non seulement de gagner du terrain mais de mettre de la pression sur l'adversaire et lorsqu'ils sont trop courts comme celui-ci, ben finalement la pression est inversée. Et c'est une mêlée, la première mêlée du match en faveur des Écossais. Première ligne inchangée du côté de l'Écosse depuis le début du tournoi avec Schumann, Turner et Fagerson. Alors que je le disais, eh bien Simone et Ferrari. Remplaçant contre la France après 3 mois d'arrêt, blessé à la Coupe du Monde et de retour comme titulaire au poste de pilier droit aux côtés de Nico Terra et le gaucher Fischetti. George Horn qui supplée donc Ben White cet après-midi du côté écossais qui lance l'attaque. Première offensive des Écossais avec ce ballon pour Rio Jones. Passage par le sol, on renverse côté gauche le relais. De Jack Dempsey, le joueur d'origine australienne. Enchaînement de la troisième ligne écossaise. Pas d'en avant, a dit l'arbitre australien. Les Écossais peuvent enchaîner sur les 30 mètres de la squadre. Oui, après avoir fait du jeu dans la défense, maintenant ils sont devant la défense italienne qui est plutôt bien replacée pour l'instant. Horn, Russell. Passe à hauteur que n'a plus contrôlé Stein, mais à la rescousse bien sûr. Le terrible, le redoutable Van der Merwe pris dans l'étau italien. Ah, pour l'instant, la défense italienne est plutôt en place. Ouais, ce sont même les Écossais qui reculent sous la pression. Ah, exactement. Un peu de confusion là sur ce ballon contré récupéré par Kinnord. Est-ce que ça va profiter aux Écossais dans les 22 mètres italiens? Le soutien encore là. Ah, il y a de la folie dès le début du match ici à Rome. Ballon relevé par Derge. Les Écossais un petit peu chanceux hein, sur l'action précédente, mais ça leur a fait gagner beaucoup de terrain. Mais la défense italienne s'est enfin replacée. Le ballon dans les mains du 15 de Chardon qui peuvent enchaîner ici avec George Turner. Nouveau point d'ancrage, le ballon est relevé. Cameron Redpass qui est venu fixer la défense. Le relais là de Turner à nouveau. Gros temps fort là des Écossais à 15 mètres de la ligne avec nouveau ballon pour Derge. Le soutien est là. Et ça va sortir du côté de l'Écosse. Bah, ça enchaîne très très fort. Il garde la possession du ballon. Hugh Jones, Cameron Redpass. À 1 mètre de la ligne. Bonne défense des Italiens, mais ça arrive de tous côtés. Bah, il y a des gros impacts. Hein. On va jouer la 16e phase de jeu. La 17e même. Nouvelle charge. On est à quelques centimètres de l'embut italien. Grosse séquence là. Et c'est validé par l'arbitre australien après cette énorme séquence imposée notamment par les avants
de l'Écosse. Et c'est Xander Fagerson, me semble-t-il, qui a marqué effectivement le droitier de la première ligne écossaise. Son troisième essai sous le maillot de l'Écosse pour cet homme. La réplique écossaise dont est revenue dès avant. On revoit là, il y a quand même un coup de chance incroyable. Le joueur italien tape un coup de pied qui est contré, qui revient dans les mains du trois-quarts écossais, le trois-quarts centre écossais, pardon, qui arrive à remettre à Kinghorn. Après, ils enchaînent plutôt bien le jeu. Là, il s'en est fallu de pas grand-chose avec le magicien Finn Russell qui jongle avec ce ballon. Et ils ont pu avoir une belle avancée. Et après, les Écossais ont su être très, très, très patients en multipliant les temps de jeu jusqu'à marquer cet essai en puissance. Premier essai dans ce match, signé donc par les hommes de Greg Towson et signé et aplati par Xander Fagerson. Et c'est donc Finn Russell qui va tenter de transformer. Mais c'est cruel hein, un petit peu pour cette équipe d'Italie qui justement gagnait des mètres avec leur défense. Ils arrivaient à mettre de l'impact sur leur défense, ils arrivaient à manger du terrain sur les Écossais. Et puis il y a eu ce contre malheureux qui a remis l'Écosse dans l'avancée. Ouais, ça s'est retourné contre les joueurs italiens. Le pied droit de Finn Russell, 25 mètres avec la diagonale. Ça passe entre les poteaux et s'est transformé. Et l'Écosse donc qui mène ici après 7 minutes 7 à 3 et on revoit cette dernière charge du joueur de Glasgow Xander Fagerson, il a bien aplati au-delà de la ligne. C'est clair, tout à fait, pas besoin de faire appel à la vidéo. Ouais, il était bien placé hein. Monsieur Angus Garner, l'arbitre australien, pour valider cet essai. Ballon récupéré sur la remise en jeu par Andy Christie, titulaire cet après-midi à l'aile de la troisième ligne. Le jeu au pied de George Horn pour l'Écosse pour sortir de ses 22 mètres et aller trouver une touche là-bas légèrement dans son camp. Le voici avec son numéro 9, le demi-mêlé de Glasgow. Voilà, bonne réception hein, de ses avants. Se sont structurés. Jeu au pied qui éloigne un petit peu la pression. Le premier lancé de Giacomo Nicotera, le joueur de Trévise. Ballon capté par Sébastien Negri. Et les Italiens qui peuvent lancer leur attaque dans le camp écossais. Le jeu rebondit, on renverse Garbisi pour aller chercher Negri à nouveau. Le relais de Ioane pris dans la meute écossaise est pénalisé les Transalpins. Ouais. Cette fois-ci c'est le joueur italien Ioane qui n'a pas lâché son ballon au sol. Le joueur du Loup, on le voit ici en gros plan avec son numéro 11. Ouais, il y a 4 joueurs dans la ligne de 3 quarts italienne qui jouent en France. Hein. Il y a effectivement Pajarello et Ioane qui jouent au Loup. Et puis il y a aussi Capuzzo au stade toulousain. Et j'en oublie un. Bah, Garbisi bien sûr, qui vient bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. Qui vient Montpellier aujourd'hui à Toulon. Ouais, exactement. Voilà, on revoit cette action, on revoit la faute de Ioane qui n'a pas lâché son ballon. Et alors venu dans le cas italien donc, avec un lancer à venir pour George Turner, puisque ça découle d'une pénalité, d'une sanction contre les Italiens. Ballon capté par Scott Cummins pour lancer l'attaque écossaise. Attaqué à la ligne, le relais de Stein. On est revenu dans les 22 mètres italiens, renversement. Ils ont accéléré hein, avec Schumann, les Écossais. Ils sentent qu'il faut... Allez mater cette équipe italienne. Ballon perdu là sur le plaquage par Hugh Jones et le dégagement de Martin Pajarello. Ouais, c'est un avantage donc que l'arbitre a laissé jouer. Et Pajarello a tapé ce ballon. Touché joué rapidement par l'équipe d'Écosse. Ouais, ce ballon pour Andy Christie. On est revenu aussitôt dans les 22 mètres italiens. Ils veulent donner du rythme hein, à ce match les Écossais. Surpris par l'ouverture du score de Garbisi, ils ont répliqué aussitôt avec un premier essai et là ils veulent enchaîner. Ouais, passe après contact, c'est assez bien fait. Fagerson, l'auteur justement du premier essai, sa bataille au sol, ballon sorti. Kinghorn qui attaque la ligne, qui essaie de rafuter, qui peut servir. Van der Merde qui revient et qui franchit la ligne. Le soutien, la passe assurée par le trois carrés écossais, le jeu qui rebondit. Passe dans la pelouse, mais pas de faute de main. Ben, les Écossais arrivent à trouver des intervalles dans cette défense italienne. Hein. Ils arrivent par leur crochet, par leur prise d'initiative. Attention, une grosse occasion au large. Allez, nouveau temps fort de cette équipe écossaise. Avantage. Ballon libéré par Russell.
Horn dans l'intervalle. Et deuxième essai signé Kyle Sten, le joueur sud-africain de la franchise de Glasgow. Doublé écossais donc, avec l'essai de cet homme. Qui s'est peut-être blessé en marquant d'ailleurs. Dans tous les cas, quelle belle action, très bien construit. Ils ont balayé le terrain d'un côté et de l'autre. À chaque fois, des joueurs tranchants qui venaient justement casser les plaquages, prendre des intervalles. Et là, on le voit, c'est parti de Van der Werf hein, qui a accéléré, qui a trouvé un intervalle. Il n'a pas pu servir un coéquipier, mais le joueur rebondit. Et après, ils ont trouvé, voilà, il y a un 3 contre 2 ici. Et malgré tout, même s'il a son partenaire sur le côté, il arrive par sa puissance à aller jusque dans l'en-but pour aplatir cet essai. Deuxième essai dans ce match signé par les hommes du Chardon. Il y a un geste technique que je veux relever qui est très intéressant dans ces actions-là. C'est la qualité de passe de Finn Russell sur toutes ses attaques. Depuis le début, c'est des passes qui vont très très vite, un peu des passes laser, mais qui sont millimétrées dans la course des joueurs. Et c'est vrai que finalement, ça impulse pour tous les autres joueurs. Ils sont dans le bon tempo finalement. Et je pense que cette qualité-là rejaillit sur ses coéquipiers. C'est le métronome, hein, c'est le chef de l'orchestre. Voici un gros plan, alors que l'on vient de soigner Ange Capuzzo au terme de cette action. Et Russell, donc, il va tenter de transformer ce deuxième essai des hommes de Towson. Pied droit. Ah, ça passe. Ça passe. Premier break dans ce match pour les Écossais. Qui mène 14-3 avec de nombreux supporters qui ont fait le déplacement à Rome. Et l'on revoit l'essai de Kyle Sten. Écosse 14, Italie 3 ici au stade olympique de Rome. Début parfait des hommes de Greg Towson qui viennent de récupérer ce ballon pour aller chercher le jeu au pied de Horn et sortir de leur 22 mètres certainement. C'est fait, ça va garder dans l'air de jeu. Attention à la relance de Capuzzo. Ouais, exactement, il a choisi de ne pas taper et il va justement défier la défense. Ouais, beaucoup de jeux comme ça hein, en retour sur les côtés fermés ou en inversement de sens. En tous les cas, ça avait plutôt bien marché contre l'Angleterre lors de l'ouverture du tournoi. Et là, pénalité là, ouais, là, la défense écossaise est plutôt sur le qui-vive. Yeah. Allez, on va en profiter car c'est à vous de jouer maintenant pour tenter de gagner 3000 euros tous les mois. Oui, 3000 euros tous les mois pendant un an. Alors, pour participer au prochain tirage au sort, il vous suffit d'envoyer par SMS le mot rugby au 7-3003, le mot rugby au 7-3003, ou bien vous appelez aussi le 34-35. Bonne chance à vous. 3000 euros tous les mois pendant un an. Et l'Italie, grâce au pied de Garbisi, qui est allé là-bas chercher une touche dans les 22 mètres écossais pour tenter de réagir. Ah, l'occasion pour l'Italie de mettre du rythme, d'avoir la possession du ballon, mais dans le camp de l'équipe d'Écosse, qui n'est quasiment pas arrivée depuis le début de la partie, depuis ce premier quart d'heure. Donc on va voir comment ils vont utiliser ce ballon. Faut-il déjà l'attraper? Voilà, c'est fait. C'est fait avec Federico Ruzza. Ballon travaillé par les avant-trains alpins. Le départ de Nico Terra. Petit coup de pied de Pacerello par-dessus. Récupéré. C'est magnifiquement bien joué de la part de Pacerello pour l'essai de Juan Ignacio Brex. Là voilà la réponse des Italiens. Quel match entre l'Italie et Écosse. C'est parti très très fort. Hein. Déjà 3 essais en moins d'un quart d'heure. C'est incroyable. Une action très bien jouée. Évidemment que c'est une action qui est répétée à l'entraînement, parce qu'on a vu les joueurs qui étaient attentifs à ce coup de pied qui attendaient. On va revoir ça. Donc d'abord, c'est une touche. Oui, c'est le troisième, je pense, qui s'extrait de ce regroupement. Et là, effectivement, tous les joueurs sont lancés. Ils savent qu'il va y avoir ce coup de pied. Il y a le poteau qui vient gêner aussi un défenseur écossais. Mais c'est vrai que le coup de pied est très, très bien dosé. Et c'est les Italiens les plus prompts pour prendre ce ballon. Il n'y a pas fait d'en avant. C'était limite. Hein. Ah, magnifique. Le petit coup de pied de Martin Pagirello. Ça, c'est quelque chose qui est vu à la vidéo avant. Là, il y a une faiblesse défensive écossaise qui a dû être décelée par Gonzalo Quesada. Et c'est une très belle réponse et une très belle adaptation. La transformation de Garbisi. Les Italiens retournent le score. Italie 10. Écosse 14, et on revoit ce jeu au pied de Pacerello, l'homme de l'île Journeur, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est une couleur du loup, et qui offre un caviar
à Juan Ignacio Brex, l'italo-argentin de cette attaque de la squadra. Ah bien, trois essais en un quart d'heure. Ah ouais, puis ça joue bien. C'est du plaisir. Exactement. La remise en jeu. Récupération du capitaine Michele Lamaro. Okay, two, let him go. Les joueurs de la squadre dans l'avancée avec le pied de Garbisi à nouveau. Chandelle offensive à la réception. Russell qui libère son ballon. Le soutien était là. Passe par le sol et les Écossais qui enchaînent. Russell à nouveau. Petit coup de pied rasant de Cameron. Red Pass titulaire cet après-midi. Pas dans l'avant. Très belle touche trouvée du coup. Un ballon qui était difficile à récupérer hein, parce qu'il rebondissait un petit peu dans tous les sens. L'arbitre a considéré que le ballon était parti vers l'arrière. Garbisi a pu faire un très beau dégagement sous pression. Une petite discussion entre l'arbitre et l'alignement italien pour se lancer de George Turner, le talonneur de la franchise de Glasgow. Un ballon récupéré en deux temps par l'alignement écossais. Horn va chercher le soutien de sa troisième ligne pour gagner quelques mètres. Et certainement favoriser son jeu au pied de pression ici. Et les Italiens qui regardaient pratiquement ne se mettent pas en opposition. Ioane à la réception. Ouais, comme une faute. C'est en avant. Il y a un avantage hein, sur en avant. Ballon relevé par Fagerson. Horn à nouveau, Russell. Passe à hauteur pour ses avants. Horn. Allez, cette fois le pied droit du joueur de Bath, de l'ancien joueur du Racing 92. En couverture Capuzzo. Hold blue. Okay. C'est rapidement joué par Kinghorn. Qui redonne à Russell, le mano à mano entre les deux joueurs écossais. On est venu fixer la défense italienne là, du côté du joueur du Stade Toulousain. Pression des Italiens. Il y a eu un avant, c'est vrai. Même s'il y a une contestation ici, ça a été touché par les bras italiens sur cette pression. Et ici un gros plan de Louis Laina, qui est né à Trévise à l'époque où son père Michael Laina eh bien portait les couleurs du Benetton de Trévise. Maman italienne, effectivement. Et un joueur qui joue en Angleterre, Harlequins, mais la saison prochaine, il jouera justement pour l'équipe de Trévise. On revoit cet en avant. Voilà. Il a émis les mains sur ce ballon. Ça n'est fallu de pas grand-chose. Hein. Alors, réaction de Gonzalo Quesada qui vit ce match, hein, qui sait que c'est un match important hein, pour ses couleurs, pour son équipe. C'est le deuxième match à domicile. Hein. Il n'y en aura que deux d'ailleurs au Stade Olympique cette année pour les joueurs italiens. C'est le deuxième aujourd'hui face à l'Écosse. Cette équipe d'Italie qui a fait quand même une performance en allant arracher le nul à l'équipe de France, même s'ils étaient très proches de la victoire. Mais ce n'est pas une victoire malgré tout pour eux. Et donc ils vont essayer d'aller la chercher aujourd'hui. C'est considéré comme une défaite du côté français. Exactement, mais pour eux c'est pas une victoire. C'est pas une victoire, bien sûr. Nouvelle mêlée, le face-à-face des premières lignes. L'introduction de George Horn. Mêlée stable. Ballon relevé par Jack Dempsey. Russell, le ballon là-bas pour Van der Merwe. Bien joué. Qui avait déserté son aile. Kit Horn qui franchit la ligne. Très, très offensif cet arrière écossais. Ah, la diagonale, la passe au pied là. Un petit peu long. Ouais, c'est à destination d'Andy Christie qui a été lobé. Il s'excuse, Finn Russell. Ah, il lui arrive de temps en temps aussi de faire quelques bonnes adresses quand même. L'attaque était plutôt bien menée avec Kinghorn qui avait trouvé l'intervalle à l'intérieur. Il n'a pas pu faire jouer un partenaire après contact. Il est obligé d'aller au sol. Et là, c'est Finn Russell donc, qui voit son coéquipier complètement démarqué. C'est le jeu de faire ça. Après, dans la réalisation technique, ça a été un peu plus compliqué. Le lancer de Giacomo Nicotera, ballon dévié.
d'une main et attaque italienne aussitôt avec ce point de fixation. Martin Pagiarello. Ouais, grosse pression là. Le contre-test des Écossais, le contre-rug et ils ont récupéré ce ballon. Finn Russell pour lancer une nouvelle attaque. No, leave it, you lost it. No. Horn. Christie. No lift. Ouais, bonne montée de la défense italienne. Rory Der a récupéré ce ballon. Une grosse défense là aussi. Pression de part et d'autre. Dans le secteur défensif, on le voit. Horn. Coup de pied de Russell. Un récupération de Van der Meer. Ah, c'est vrai qu'avec. Ah, il est grand. Hein. Ah oui, il est grand, il est puissant, il a les épaules larges, donc c'est dur de le contrer, mais les Italiens ont pu récupérer ce ballon avec le jeu pied ici de Brex, qu'on a pu contrôler à la manière d'un footballeur. Russell, en couverture, Kinhorn, qui relance. Ah, il aime ses ballons de relance, Blair Kinhorn. Le raffut de Dempsey, qui a gagné 5 mètres. Et un avantage en course, signalé par l'arbitre australien. Australien, pardon. Ça ne profite pas. Il siffle, monsieur Garner. Ouais, il y avait un joueur italien qui est venu gratter son ballon en position, dans la bonne position, sur ses appuis. C'est pas ça que l'arbitre sanctionne, c'est le joueur qui était plaqueur, qui ne s'est pas écarté du porteur du ballon. Alors que là, on revoit la prise à une main de la balle de la part de Kinghorn, avant d'attaquer sa relance. Ah, il a trouvé ses marques au Stade Toulousain, on le sait, arrivé en cours de saison, à la sortie de la Coupe du Monde, Blair Kinhorn. Ah. Il a trouvé ses marques dans le jeu du Stade Toulousain qui, par moments, ressemble un petit peu à cette envie de jouer du 15 du Chardon. Ouais, exactement, les Écossais ont un jeu de rugby très offensif, donc effectivement, ça ressemble pas mal quand même à l'idéologie qui est faite au Stade Toulousain de ce jeu à la main, en mouvement perpétuel. Donc il s'est très vite adapté à cette équipe. Et là donc c'est Ange Capuzzo, l'autre Toulousain, qui a essayé de sauver ce ballon en vain. Ah, lui aussi il aime attaquer, il aime le jeu de relance, il aime les offensives. Allez, pour l'instant c'est les avants qui se saisissent du ballon, avec le départ de Turner, Horn, dans les 22 mètres italiens. Van der Meer, bon plaquage, il vaut mieux le prendre aux jambes, hein, aux trois carrés, le surpuissant de l'équipe d'Écosse. Ballon pour les Écossais, toujours avec Andy Christie. Horn. En cours. Schumann. Horn qui recèle. Attention à l'interception. Il y avait un avantage. Les supporters et le public du stade olympique n'avaient pas vu certainement le bras de de l'Australien monsieur Garner, mais effectivement il avait signalé cet avantage. Ouais, je crois que c'est un plaquage sans ballon, me semble-t-il, que l'arbitre sanctionne. On va certainement revoir ça ralenti. Ah, le stade olympique gronde, mais bon. Alors que vont faire les Écossais? Est-ce qu'ils vont prendre les 3 points? Parce que c'est quasiment en face des poteaux. Non, Rory Derge, les deux capitaines qui parlent, c'est Derge qui a eu le dernier mot, qui a fait signe à Finn Russell, on va prendre les 3 points. Ouais. C'est okay, le pilier italien qui s'est mis à la faute. Et voilà, on le revoit. Vous voyez, ah, c'est Ferrari, plaque, non plaque, c'est Ferrari. Il plaque sans ballon. Non, c'est Fichetti qui plaque sans ballon. Ah, c'était Dark. Mieux. J'ai vu le numéro 3, mais bon, si c'est le numéro 1, non, c'est le 1, c'est le 1. D'accord. Allez, cadeau pour cette équipe d'Écosse, puisque la pénalité est très facile pour Finn Russell. Thank you very much. Just back you go, please. Thank you. Sans problème pour Finn Russell, qui donne 7 points d'avance à cette équipe d'Écosse ici à Rome, Italie 10. Écosse 17. Ouais, domination écossaise quand même sur ce début de partie. Pas outrageuse, bien, c'est assez équilibré tout de même, mais il y a quand même une domination territoriale, notamment de la part de cette équipe d'Écosse, et aussi de possession du ballon, puisqu'ils sont à plus de 70% de possession. Paolo Garbisi pour la remise en jeu, la récupération de Jack Dempsey, le joueur d'origine australienne. Ballon bien mis au chaud là, et sécurisé par les avants du Chardon. Pour l'offrir à Horn.
Le train blanc se met en place. Il n'y a que deux wagons là. Donc il est sous pression. Horn, mais il a pu dégager et trouver cette touche à hauteur de la ligne des 50 mètres. Très bon dégagement. 30 mètres pratiquement de gagné par cet homme, George Horn. Les Écossais, très bons aujourd'hui pour l'instant, très précis dans tout ce qu'ils font. Ils sont assez cliniques, ils marquent sur leur temps fort. Pour l'instant, ils sont assez impressionnants sur ces 25 premières minutes. Nico Terra, alignement complet, la prise parfaite de l'alignement italien, le relais de Lamaro. Attention de ne pas perdre ce ballon. Rex qui a gagné 3 mètres. Les avants arrivent au soutien avec Ferrari, notamment Enrico Terra, et le jeu qui est inversé là par le 2000B Pagirello qui remonte encore ce ballon, toujours avec les avants. Pagirello. Attention, interception. Oh, l'interception, il avait lu la passe Andy Christie pour chipper ce ballon. Le jeu au pied de Russell. Non, Russell a choisi le pied. Alors effectivement, c'est un très beau coup de pied. Mais enfin, il y avait quand même un 2 contre 1 avec Van der Merwe. Et quand on connaît la puissance de ce joueur-là lancé, il aurait pu faire du grabuge dans la défense italienne. Alors, on revoit l'interception là. Voilà, et on va revoir. Regardez, il y a 2 contre 1. Quand on sait que c'est un joueur comme Van der Merwe qui est sur le côté, qui a devant lui, c'est complètement dégagé. Il aurait pu lui donner la balle. Ah ben effectivement, le coup de pied est très bien, il récupère la touche à 10 mètres de la ligne italienne, mais je pense qu'il y a peut-être mieux à faire à la main. On va voir avec l'action qui suit pour l'instant. C'est un lancer de George Turner. Le ballon est capté parfaitement par Grant Gilchrist. Et son casque rouge, le mol qui se met en place, un ballon porté là, orchestré par les avants du Chardon. Ah, ils avancent à 5 mètres de l'ambute italien. C'est structuré, le contest est là, on essaie de résister du côté des Transalpins, mais attention, les hommes du Chardon avancent toujours, on est sur la ligne d'en-but, et voilà l'essai. Et voilà l'essai signé Pierre Schumann, après Sander Fagerson, c'est l'autre pilier écossais qui marque avec son numéro 1, Pierre Schumann. Et ça donne raison à Finn Russell finalement. Bah oui. Finalement, le 2 contre 1 joué au pied, ça a été terriblement efficace puisque cette équipe d'Écosse a récupéré cette touche et est allée en force, en collectif, jusque derrière la ligne. Ouais, très clinique, je l'ai dit tout à l'heure, mais ces Écossais, dès qu'il y a une occasion, ils marquent, ils enchaînent. Ou c'est 3 points, ou c'est un essai, ils sont déjà à 3 essais. Et ils sont très structurés sur cette avancée. Ouais, une équipe d'Écosse qui, en cas de victoire, eh bien, sera la première supportrice cet après-midi des Anglais. Hein. Pour une fois, oui. qui recevront cette équipe d'Irlande invaincue. 3 victoires bonifiées pour les Irlandais. Mais avec une défaite des Irlandais à Twickenham, eh bien, et une victoire des Écossais ici, ils s'offriraient une vraie finale dans une semaine à Dublin pour gagner, pourquoi pas, le tournoi. Finn Russell. Excentré côté gauche, 30 mètres avec la diagonale pour le droitier de l'Écosse. Ah, ça va passer à droite. Ouais, légèrement à droite pour Finn Russell. Essai non transformé. 3 essais à 1. L'Écosse mène ici à Rome 22 à 10. Il s'est levé de son banc, Gonzalo Quesada. Même si l'Écosse a vraiment dominé ces 3 premières minutes, l'Italie n'est pas larguée du tout, hein. il y a 12 points d'écart, rien n'est joué, ils nous ont fait voir aussi qu'ils pouvaient marquer les essais, qu'ils étaient aussi dangereux. Maintenant il va falloir qu'ils soient un peu plus dominants, parce que c'est vrai que pour l'instant ils souffrent un petit peu de la comparaison avec cette équipe d'Écosse. La remise en jeu, récupération parfaite de Grant Gilchrist. Okay, use it please. De pression là pour sortir de ces 22 mètres. Horn qui va trouver la touche. Voilà, assez précis sur les renvois. Les joueurs savent ce qu'ils vont faire. Ben, on voit la statistique de possession, hein, 71% pour l'équipe d'Écosse. C'est dire s'ils ont la même mise pour l'instant sur cette partie. Un petit coup de serviette pour essuyer ce ballon. Je vous l'ai dit, il y a eu
de grosses averses sur la capitale italienne, notamment en fin de matinée. Et donc Nico Terra a voulu essuyer ce ballon pour eh bien, favoriser son lancer. L'attaque italienne avec Cameron Redpath. Pacchierello. La réaction des Italiens, donc mené 22 à 10 sur la pelouse romaine. Du jeu dans le dos. Ah, le jeu au pied de Brex, qui va trouver une touche là-bas. Une touche indirecte, mais c'est aussi rendre un petit peu le ballon. Ça pourrait être intéressant pour cette équipe d'Italie de continuer à porter cette balle, d'avoir la possession du ballon plus longtemps en tous les cas, pour essayer de perturber cette défense écossaise et de les mettre à mal. Équipe italienne qui joue sous le regard d'un ancien sélectionneur de l'Esquadra Azzurra, puisque la fédération italienne a invité sur ce match Pierre Berbigier, qui de 2005 à 2007 eh bien, était le sélectionneur de la Squadra Azzurra. Et chaque année, eh bien, il est invité à un match, c'est le cas aujourd'hui. Pierre Berbigier, qui d'ailleurs avait accueilli pour la première fois en Europe et sur le sol français Gonzalo Quesada. Ouais. Quand il était à l'époque l'entraîneur de Narbonne. Il y a eu beaucoup d'entraîneurs français qui sont venus justement entraîner la Squadra Azzurra. On pense à Jacques Brunel, à Christian Gajan, tous ces gens-là qui nous écoutent certainement. How many? Ce ballon perdu en touche par les Italiens, dégagé au pied, mais récupération de Johan. Et finalement, pour les Transalpins, sous la pression de la défense écossaise, aussitôt, il peut libérer. Pacchierello, avec ses avants, toujours dans le camp écossais. Il y a une passe là pour tenter d'avancer, pour faire reculer cette pression défensive de l'Écosse. On a gagné 10 mètres. Et on inverse le jeu avec Canone. Un avantage en cours sur le plaqueur écossais qui ne s'est pas écarté du porteur du ballon. Garbizi, Ioane est venu de son aile. Oui, mais il y a du monde. Pris par le double plaquage des Écossais. Ballon toujours pour les Transalpins. Garbizi, la diagonale, la passe au pied de son pied gauche. Oui, mais récupération. On va revenir dans une faute initial, on va en profiter donc, car durant ce tournoi, vous pouvez aussi jouer avec nous pour tenter de remporter 3000 euros tous les mois pendant un an. Alors pour faire partie du prochain tirage au sort, vous envoyez sans plus tarder le mot clé, c'est le mot rugby en majuscule par SMS au 7-3003, ou bien vous composez le 34-35. Bonne chance à vous, 3000 euros tous les mois pendant un an, c'est bonus. Alors, qu'est-ce que vont faire les Italiens? Allez, les poteaux. On va essayer de se rapprocher et prendre 3 points supplémentaires. Oui, allez. 6 minutes de la fin de ce premier acte. Ils sont menés de 12 points. Les partenaires de Paolo Garbizi. C'est lui qui avait inauguré le score dès la première minute sur une pénalité. Une pénalité qui fera date hein, avec ce ballon qui tombe encore une fois. J'espère qu'il ne va pas retomber le ballon, sinon on croit qu'il a un chat noir dans sa chaussure. Ouais, ou alors il y a quelqu'un qui lui jette un sort à chaque tentative. Cette fois, ça ne bouge pas, la pied gauche de Paolo Garbizi. Ça, mieux. Ça passe, réduction de l'écart au score pour le demi d'ouverture italien. Italie 13, Écosse 22. C'est vrai que c'est vraiment étonnant hein, ce qu'on a vu dès la première minute avec ce ballon qui est tombé. Ce clin d'œil au match précédent contre la France. Je pense qu'il aurait préféré mettre celle d'il y a 15 jours plutôt que celle-ci finalement. Oui. Mais... oui, parce que là, il reste du temps alors que contre la France, c'était la fin du match. Ouais, il en restait pas beaucoup, mais la pression n'était pas la même par contre. Exactement. Alors on revient à ce Italie-Écosse, Italie 13, Écosse 22, les 5 dernières minutes. Et le jeu au pied de Pacchierello pour sortir de ses 22 mètres. Kin Horn à la réception. Il a été cueilli à la réception par la défense italienne. Ouais, mais il a libéré. Ouais. Et la pression des Italiens, regardez, qui monte très très vite sur Finn Russell. Il cherche une solution, il l'a trouvé avec Cameron Redpath.
Ballon perdu, ballon arraché et le contre des Italiens. Attention, bien exploité ce ballon. Attention, cette longue passe. Brex qui attaque la ligne. Qui peut relever ce ballon. Le relais est là. Avec Red Pass à nouveau. On est revenu dans le cas écossais. Bah, le soutien est présent, mais attention au contre-roc écossais. Et oui, ils n'étaient que deux joueurs italiens pour soutenir le coéquipier. Heureusement, ils arrivent quand même à garder cette balle. Recontre-roc. Canone. Pris par les Écossais. Est-ce qu'il peut libérer ses faits? Pagliarello. Brex qui retrouve ses avant. Et notamment Sébastien Negri. Même sens. Brex. Darbizi. Il est passé. Menoncello. Soutenu par Ioane. Ballon relevé par les Italiens. Ils arrivent à trouver l'avancée, les Italiens. Il va falloir qu'ils enchaînent rapidement le jeu. Brex. Ferrari. Ils inversent le sens. Ah mais les défenses écossaises est parfaitement placée. Récupère le ballon par Andy Christie. Attention à l'accélération de ce joueur qui rafute, bah, qui s'arrache. Voilà, la vélocité, la puissance d'Andy Christie, le contest de Brex. Ah, c'est une pénalité, oui, c'est une pénalité évidente. Récompensé. Mais quel contre d'Andy Christie. Heureusement, il y a eu le contest de Brex. Jouer rapidement la pénalité par les Italiens. Le ballon qui reste dans l'air de jeu. Il y a de la folie dans ces dernières minutes de la première période avec la relance des Écossais. Personne qui veut lâcher la charge de Turner. Et une nouvelle pénalité à faveur des Italiens. Ouais, c'est un soutien qui est venu se jeter sur son joueur pour essayer de sauver le ballon. Il doit rester sur ses appuis. Ah, il y a du rythme, il y a du rythme dans ces matchs. Ouais, pas de temps mort. On se rend coup pour coup. Et les joueurs qui reprennent leur souffle, on le voit, l'image ici d'Andy Christie. Ouais, Christie qui a effectivement récupéré ce ballon. Il a accéléré pendant 30 minutes. Je peux vous dire qu'il allait vite. Les Italiens ont mis beaucoup de temps et ils ont eu beaucoup de difficultés pour le rattraper. Son premier match comme titulaire, Andy Christie, lui qui est né en Angleterre, qui porte les couleurs des Saracens et qui honore aujourd'hui sa 7e cape. Joueur très très intéressant. Hein. Bien sûr. Et après, il s'est mis à la faute. En revanche, là, c'était assez évident. Le jeu s'est emballé, s'est enflammé. Et là, on voit la faute. Voilà, on voit le joueur écossais, vous voyez, qui plonge pour essayer de sauver le ballon. Et résultat, si on a un plan large après ce ralenti, des deux côtés, on récupère. Et on se désaltère, on reprend son souffle. Vous le voyez ici avec George Turner. Et ici, du côté de Nico Terra et des joueurs italiens. Ouais, car il y a eu... un chassé croisé de part et d'autre sous le regard de Greg Taussel. Ouais, il y a eu des turnovers, effectivement. Les Italiens ont joué vite cette pénalité, donc ça a remis encore plus de rythme. Allez, le jeu va reprendre. L'arbitre fait appel aux équipes. La mi-temps, c'est dans 3 minutes, c'est pas maintenant. Non, on n'est pas encore à la fin de la première période. Hein. Alors, qu'en va être le choix des Italiens, c'est... Ouais, ils vont la tenter. Ils vont tenter cette pénalité. Ouais, mais regardez qui va. Ouais, c'est Martin Pagliarello, le joueur du Loup, qui va tenter cette pénalité. Alors, elle est plus lointaine que les autres, ce qui explique le choix. 45 mètres face au poteau écossais, la tentative. Ouais, de Martin Pagliarello. J'imagine que Garbizi doit prendre toutes les pénalités jusqu'aux 40 mètres. Et c'est Pagliarello qui prend dans les lointaines. Le pied droit, est-ce qu'elle va arriver dans les poteaux? Oui. Ça passe. Allez, ça n'est fallu de pas grand chose. Hein. Ah, oui. Le ballon est beaucoup monté. Donc automatiquement, en montant, il a perdu de la puissance. Et c'est vite joué le renvoi par Fenrossel. Italie 16, Écosse 22. Et toujours pas de temps mort. On enchaîne aussitôt avec cette remise en jeu rapidement effectuée par les joueurs du Chardon. Récupération de Pagliarello. Pagliarello qui va certainement occuper le terrain écossais. Voilà. Kin Horn à la réception. Le coup de la toupie pour éviter la montée du défenseur italien et les Écossais qui peuvent enchaîner avec Fagerson. Horn. Rossel. Ah, la passe. Attention, qui a récupéré. Louis Laina au pied. Louis Laina pour sa première cape. Récupération de Capuzzo. Pris par Van der Meer, on est dans la butte écossais, blocage debout. Eh oui, il est bloqué debout.
Ah, le sourire. Ah, il y a une différence de gabarit entre Van der Merwe et Ange Capuzzo. Mais c'est lui qui a mené le contre, Louis Laina. Première cape pour le fils de Michael Laina. On aurait aimé, on aurait aimé qu'il marque sa première sélection. Ça aurait été une belle histoire. Ça aurait été une belle histoire. Ah, ça se rend coup pour coup. On sent bien qu'il y a une fragilité. Le moindre turnover, le moindre ballon récupéré par l'adversaire sur les séquences défensives peut faire mal à l'adversaire, justement. Le long renvoi d'en but de Finn Russell. Dernier ballon, on est entré dans les arrêts de jeu de cette première période. Dernier ballon pour les Italiens qui se réinstallent sur les 30 mètres écossais. Paggerello. Les avant, Garbisi qui attaque la ligne, pris par Gilchrist, libère Paggerello à nouveau. Avec ce ballon pour Negri, Paggerello, Canone sur les 22 mètres écossais. Ils sont dans l'avancée, les Italiens. Ah, ils veulent marquer, avant d'aller au vestiaire, avant la pause. Bonne défense, là on tente d'arracher ce ballon, mais ça sort du côté transalpin. Paggerello, Canone. Et le stade olympique qui donne de la voix. Brex, la passe à hauteur. Est-ce que ça va s'ouvrir? Ioane, bloqué. Pour l'instant, la défense écossaise ne cède aucun centimètre. Ouais, c'est vrai, mais ils sont quand même dans l'avancée. Les Italiens, ils arrivent à gagner quelques mètres. Paggerello, grosse pression sur le demi-mêlée. Pour l'instant, il recule. Allez, il va falloir se réorganiser. Ah, énorme. Menoncello. Paggerello, la passe à hauteur pour Laina. Italia, stade de public du stade olympique. Belle ambiance ici. Bah, ils sentent que leur équipe a besoin de ce soutien. Et puis ils sentent aussi qu'ils ne sont pas loin de faire craquer ces Écossais. Canone, on est à 15 mètres de l'embut écossais. Ah, ils gagnent, ils avancent. Ah, mais pénalité sur ce contest des Écossais. Pénalité. En faveur des joueurs du Chardon. Ballon gardé au sol par le joueur italien. Donc c'est une pénalité. Finn Russell va vite taper loin devant. Ah, il va taper en touche. Ouais, la touche va se jouer. Hein. Va se jouer parce qu'il a tapé directement en touche. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Souvent on voit proche des mi-temps les joueurs qui jouent le ballon. Ça veut dire que Finn Russell, il est encore fin et il n'a pas envie de se reposer. Mais il a raison, mais surtout ils ont investi. Exactement. Avec ce coup de pied le camp italien. Donc ils peuvent être en situation de marque. Souvent on voit à l'approche des mi-temps comme ça, des joueurs qui font comme s'ils jouaient le ballon à la main et qui tapent en touche. Bah, lui, il a préféré taper directement en touche pour que le jeu continue. Alors on va voir comment il va exploiter ce ballon. C'est capté par Gilchrist. Aussitôt ballon au large là avec Russell. On rend inverse la course là, cette croisée. Feinte la passe. En l'occurrence, c'est Hugh Jones. Horn. On est dans le cas italien. Gilchrist. Les avants ont récupéré le ballon pour gagner quelques mètres. Horn, Russell à l'intérieur, passe les bras. Ouais, mais ballon perdu. La récupération des Italiens et cette première période qui n'en finit pas pour notre plus grand plaisir. Non, cette fois, on met un terme à la première étape, au premier acte, mais quel match. Ouais, quel match. Sage décision de mettre ce ballon en touche puisqu'ils étaient dans leur camp. Effectivement, quel match. Beaucoup d'essais pour l'instant. On se régale. Et pour autant, les Écossais ont beaucoup dominé. Mais il n'y a que 6 points d'écart. Donc tout reste à jouer dans cette deuxième période. Italie 16, Écosse 22. 3 essais écossais, 1 essai italien. Suspense total. Beaucoup de rythme. Vous restez avec nous. On passe par la régie finale à Paris. Et puis vous allez retrouver Cédric et Vincent du côté de Cardiff. Et ensuite, on vivra la deuxième période. À tout à l'heure. Non, tout le monde est là. Tout le monde est là. Parfait. Vous allez le voir inquiet. Sur ce plan. c'est mieux qu'ils soient 15 contre 15. Oui, c'est sûr. Merci Cédric, merci Vincent. C'est parti pour la deuxième période. Le coup d'envoi est donné par Finn Russell et les Écossais. Récupération de Stein. Et finalement, c'est pas Paggerello, mais il est sous la pression des Écossais dans ses 22 mètres. Avec un avantage. Oui. Il s'en sort très très bien parce que ça a été mal réceptionné par les avants italiens. Il est passé par là, il a récupéré la balle et finalement il a pu la libérer. Voilà, les Italiens sont en place. Il va pouvoir certainement dégager son camp. Ball's available there. Okay.
Ah non, on va aller chercher le pied gauche de Garbizi pour sortir de ses 22 mètres. Mais des ballons toujours dans l'air de jeu. Récupération de Kinhorn pour la relance écossaise avec Finn Russell. De passe pour aller chercher là-bas. Cameron Redpass bloqué. Mais ballon toujours pour Horn et les Écossais qui sont revenus dans le cas italien et qui enchaînent. Horn, Russell. Ballon pour la deuxième ligne avec notamment Scott Cummins. Horn. Ballon pour Hugh Jones. Russell sur le fermé là pour cette passe à Kyle Sten. On va renverser grand côté. Avec cette fois George Turner. Les Écossais qui ont du mal à gagner la ligne d'avantage pour l'instant. C'est du jeu latéral. Voilà, il est passé. Sur l'accélération, il est passé. Ça va faire mouche. Ça va faire mouche. Dès le début de la deuxième période, avec cet essai aplati par George Horn. Ils ont été patients, les Écossais, du jeu latéral. Mais il y a eu cette percée pour aller amener l'essai de Horn. Exactement ça, Jean. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment été patients. Ils ont construit leur jeu. Effectivement, ils n'avançaient pas, mais ils ont pu déstabiliser cette défense italienne au fur et à mesure de leurs attaques. Et là, on le voit sur ce champ, une passe dans le dos et là, une accélération entre deux joueurs italiens. Et voilà, après un 2 contre 1 joué parfaitement, et Horn qui n'a plus qu'à courir pour aller jusque dans l'embut. Et c'est l'essai du bonus offensif pour les Écossais, puisque c'est le quatrième dans ce match. Il y en avait eu 3 en première période, avec le quatrième de Horn. C'est un point de bonus offensif. Arbitrage vidéo demandé par monsieur Garner. Alors je vois une obstruction peut-être au moment de la percée, alors peut-être ça va pas frapper en direct. On va revoir ça. It's coming on the screen now. Il a fait appel à monsieur Van der Westhuizen, le sud-africain chargé de la vidéo. Alors, qu'est-ce qui est... We still haven't got a replay out here yet. Yeah, just give us a second, guys. It's coming. No worries. Alors, on va le revoir. Russell ici. Ah, effectivement, c'est Schumann qui vient percuter un défenseur italien. Vous le voyez au sol. Oui, en plus, c'est ce qui fait le surnombre et c'est ce qui fait l'intervalle, hein, justement, pour le 3/4 centre écossais. Ouais, il percute Vincent. Oui, parce qu'il prend l'intérieur du centre italien, mais effectivement, à l'intérieur, il aurait dû avoir le numéro 8 italien pour couvrir l'intérieur. Et comme il est percuté, il ne peut pas défendre. Donc, c'est possible que cet essai soit refusé, effectivement. Okay, guys, it's going to be a no try. Ah, y a pas d'essai. Refusé. Ouais, justement refusé, hein, puisque on l'a bien vu sur les images, le Schumann effectivement empêche carrément la défense italienne de pouvoir bien défendre sur l'homme, sur le 3/4 centre notamment. Donc c'est une pénalité pour l'Italie. Et Garbizi qui donne de la voix, qui demande à ses partenaires de ne pas lâcher. Ouais, c'est important, cette équipe d'Italie, on la voit assez régulièrement durant ce tournoi, mais durant les tournois précédents aussi, quelque peu craqué dans des deuxièmes périodes, à la fois physiquement, à la fois aussi sur la discipline. Et ils essaient de corriger ça d'année en année, mais voilà. La touche qui n'a pas été trouvée, pardon Yann, par Garbizi. Ouais, effectivement, ça fait partie de ces petits déchets qu'ils ont régulièrement en deuxième période. Et ils essaient de corriger ça justement, on va voir. Ioane a pu récupérer pour mettre les Transalpins dans le sens de l'avance. C'est Garbizi, Brex. Il y a un avantage en cours. Les Italiens qui l'ont échappé belle avec cet essai refusé dans aux Écossais dès le début de la deuxième période. Qui enchaîne donc Brex sur les 22 mètres du Chardon. Pagerello. Ah, c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. Et peut-être le premier essai de Laina. Le voici. Oh, magnifique. Première étape. L'essai de Louis Laina. Sur cette nouvelle inspiration des Italiens et le stade olympique qui est debout, la joie, la réaction de Garbizi et c'est de Laina. Forte ambiance ici, effectivement, tout le stade est debout. Voilà, on sent une renaissance, ça fait plaisir le petit jeune. Première sélection, Louis Laina, premier essai, le papa doit être fier, certainement qu'il est en tribune. Alors, on revoit cette inspiration magnifique. Ce coup de pied rasant dosé qui est très bien tapé.
c'est Gerbizi qui distille ce jeu au pied parfait. Le regard de Louis Laina sur le rebond, ne pas perdre ce ballon, ne bien le contrôler. Les caprices du ballon ovale, c'est contrôlé parfaitement. Ouais, comme quoi, en l'espace de 1 ou 2 minutes, les Italiens ont encaissé un essai, celui-ci refusé. Et quasiment instantanément, ils arrivent eux à rescorer. Ça va, voilà, ça va les faire passer certainement devant au score si la transformation est réussie. Elle est importante, la transformation de Gerbizi. Le poteau. Ah, décidément. Elle était très bien placée pourtant, cette transformation. Elle était peut-être pas très difficile. Et la première ministre italienne présente ici au stade olympique, vous l'avez aperçu dans la loge présidentielle. Italie 21, Écosse 22. Et pénalité contre les Écossais. Voilà, première pénalité directement. Les Écossais qui sont dans un temps faible là, entre l'essai encaissé, cette faute un petit peu stupide. Ah, les Italiens qui avaient vraiment l'occasion de repasser devant. Ah, ils sont menés d'un point. Italie 21, Écosse 22. Suspense total ici au stade olympique. Est-ce qu'on va avoir droit à une première victoire italienne dans ce tournoi 2024 alors qu'on revoit le deuxième essai des Transalpins sur cette magnifique passe au pied de Gerbizi pour Laina. Un ballon perdu sur la remise en jeu, récupération de Turner, ou plutôt sur la remise en touche, le lancer en touche, pardon. Ballon pour les Écossais. Sa bataille là sur la ligne des 50 mètres pratiquement. On met de l'ordre dans la maison du Chardon avec les avants, et notamment Fagerson et Turner. Russell. On passe dans le vide, attention. Qui n'a pas été contrôlé par Stein. Pression italienne pour récupérer ce ballon. Et Pagerello. Allez, qui relance ses avants, et notamment Fischetti. Passe en avant. Et le ballon qui va de main en main avec cette récupération de Rory Derge. Russell, il a analysé la situation. Un cadrage débordement magnifique. Ouais. Attention, Van der Merwe, l'accélération de Van der Merwe sur sa ligne là-bas. De touche. Ah, c'est un danger permanent. Allez, sur ses prises de balle de Han Van der Merwe. On se souvient de cet essai planté aux Anglais le long de la ligne de touche. Et oui, Jean, mais regardez, les gabarits sont différents entre Van der Merwe et Ange Capuoso. Mais pour autant, Ange Capuoso a mis des cannes et a réussi à aller plaquer Van der Merwe et le mettre en touche. Ah, c'est un beau geste défensif de la part de Ange Capuoso. Il a été bien aidé par son partenaire Laina quand même. Ouais, mais il faut être deux pour arrêter ce diable de Van der Merwe. Ange Capuoso, le joueur du Stade Toulousain, qui a porté les couleurs de Grenoble, natif de l'Isère, Ange Capuoso. Un peu d'imprécision des deux côtés depuis le début de cette deuxième période. Et de l'attention. De l'attention, de la discipline aussi. Ah, c'est le joueur écossais qui a été en contact avec deux joueurs italiens en l'air, ce qui est interdit. C'est pour ça qu'il y a cette pénalité. Alors il appelle le deuxième ligne écossais. C'est Scott Cummins. Ça sourit. C'est bon enfant. Mais bon, on fait la paix. Mais bon, on ne se fait pas de cadeaux. Ah non. Le rugby reste un sport de contact collectif. Le jeu va reprendre avec cette frappe de Gerbizi. Ça découle d'une pénalité. Donc, le lancer à venir sur les 30 mètres écossais pour George Turner sur le regard de Greg Towson. Sélectionneur de ces 15 du Chardon, nommé en juin 2017. Ancien joueur de Castres, de Brive notamment. Ancien demi d'ouverture de talent. Lui qui a gagné le Grand Chelem en 1999 avec l'équipe d'Écosse. Plutôt qui a gagné le tournoi, pardon. En 1999 avec cette équipe d'Écosse. Ça manque de précision pour l'instant pour les Italiens aussi, là, avec ce lancer un petit peu trop long. Ils ont réussi à garder cette possession, mais Canone pour libérer ce ballon. Pagerello, il a plongé côté droit là-bas, le jeu au pied de Brest Contré. Oh là là, c'est du volet. Yep. Avantage pour les Écossais. Russell,
50-22 tenté par Finn Russell. Attention, rebond. Attention, rebond récupéré par Stein. Right. Attention, parce que là, il y a un peu de d'approximation de part et d'autre et la relance de Juani. Juani. Le jeu au pied de Brex. Le jeu au pied. Ah, voilà. Ballon toujours dans l'air de jeu avec la relance de Finn Russell. On est revenu dans le camp italien. Ballon pour les Écossais avec Scott Cummins, Russell, Fagerson, Cameron Red Pass jusqu'à l'aile pour Stein qui revient à l'intérieur pour trouver le soutien. La défense italienne plutôt bien en place. Kin Horl dans un rôle de demi-mêlée pour Andy Christie. Turner, gros placage sur le talonneur écossais, mais ballon pour les joueurs du Chardon, toujours. Ah non, il y en a d'avant. Il y a vraiment de l'imprécision depuis le début de la deuxième période, des deux côtés, hein, autant pour les Écossais, à l'image de cet en avant-là, assez grossier, que sur les Italiens aussi précédemment. Alors que l'Écosse avait été assez clinique en première période, là il y a du déchet dans leur jeu, du déchet dans le jeu italien aussi. Un match un peu plus décousu. Allez, changement du côté italien avec le numéro 21 Varney qui rentre, le numéro 16 Lucchesi. Alors Varney, c'est au poste de demi de mêlée à la place de Pagerello avec son numéro 21. Le voici, la sortie de Martin Pagerello. La sortie également de Simone Ferrari. Remplacé par Ziloki. Voilà les changements opérés dans ce match. Les premiers par Gonzalo Quesada. Au début de match, notamment par l'équipe d'Écosse. Mais c'est vrai que la fin de première période a été dominée par l'Italie. Donc, au niveau des statistiques, par exemple, je regardais en termes de possession ou d'occupation du terrain, c'est quasiment à égalité. Sur beaucoup de statistiques, les deux équipes sont au même niveau. Allez, mêlée pour l'Italie. Première introduction de Stephen Varney, joueur de Gloucester, natif du Pays de Galles. Allez, on va rejouer correctement cette mêlée, a décidé M. Angus Garner. Allez, il faut se mettre en place. Ça s'écroule. La pénalité en faveur des Italiens. La première ligne écossaise est sanctionnée. Je vais en profiter de ce moment pour vous rappeler qu'une somme exceptionnelle de 3000 euros est à gagner tous les mois et ce pendant un an. Vous faites le calcul. 36 000 euros au total, dont en jeu 3000 euros. Tous les mois pendant un an. Pour participer au prochain tirage au sort, vous envoyez dès maintenant le mot rugby au 7-3003 ou bien vous composez le 34-35. Allez, bonne chance à vous. 3000 euros tous les mois pendant un an. Alors que l'on revoit cette mêlée écroulée. Ouais, difficile hein, de dire qui a fait la faute. On va faire confiance à l'arbitre. C'était le mieux placé. Hein. Exactement. Et là, c'est une belle opportunité pour l'Italie qui a le lancé. Alors, il va falloir mieux réussir la touche que celle des précédentes. Voilà, exactement, c'est chose faite. Il faut mettre le jeu en place maintenant. Ils vont essayer de pousser dans l'axe, mais la défense écossaise résiste bien. Alors, peut-être la solution mènera au large avec Brex, toujours très offensif et tranchant, le trois quarts central alpin d'origine argentine. On est rentré dans les 22 mètres écossais avec Gianmarco Lucchesi, talonneur remplaçant dont Varney, qui joue toujours avec ses avants. Le soutien est là. Nouveau point d'ancrage, on écarte. Ah, ouais, tout en avant. Petite faute de main. Oui, mais même petite en avant, ça se siffle. Et bien sûr, ce Varney, je pense qu'il a dû faire ce petit en avant.
C'est dommage. Une munition, encore une fois, un petit accro, un petit déchet dans leur jeu. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on assiste depuis la deuxième période à moins de possessions, sur des moins de phases de jeu, moins de temps de jeu. Ah, mais non, c'est là, voilà, en avant. Les deux équipes n'arrivent pas à mettre leur jeu en place parce qu'ils perdent le ballon trop rapidement sur des petites erreurs comme ça. Italie 21, Écosse 22, suspense total. On le rappelle, l'équipe d'Italie, depuis son entrée dans le tournoi 2000, a battu 7 fois l'Écosse et 2 fois à Murrayfield. C'est l'équipe qui réussit le mieux dans ce tournoi destination depuis son arrivée donc, en 2000. Et d'ailleurs, premier match de l'entrée de l'Italie en 2000, que les Italiens avaient gagné ici, plutôt à Flaminio, le stade juste à côté, face aux Écossais. Ah, la mêlée est stable. Ah, ça s'écroule. Elle est trop vite. Le jeu au pied de King Horn. Dans l'axe. Penaxe. Penaxe, récupération de Laina qui va chercher aussitôt Capuzzo. A tenté un 50-22, mais c'est un arrêt de volée accordé aux Écossais. Joué par Rossel, ballon toujours dans l'air de jeu. Récupération des Transalpins pour la relance. Du jeu à la main, non. Chandelle offensive de Garbisi. Elle sera un petit peu trop longue. Les joueurs italiens ne pourront pas aller au saut. Par contre, ils sont là en défense. Ouais. No, second man. Pris King Horn, mais le soutien des Écossais est là pour sécuriser ce ballon. Et c'est Gilchrist qui le relève. Horn qui reprend son rôle de demi de mêlée pour aller servir à nouveau Turner. Allez, cette fois il a certainement placé son pied droit. George Horn pour sortir de ses 22 mètres. Mais la relance va venir du côté des Italiens. Capuzzo. Varney. Il y a un surnom. Ah, il a gardé le ballon lyonnais. Allez, il faut le libérer. Varney à nouveau pour Brex. Bonne défense des Écossais. Les Italiens sur ces passes latérales qui essaient de trouver un espace. Garbisi. Brex à nouveau. Et on va revenir. Changer le côté gauche cette fois. Cette passe pour Lucchesi. Cette fois, ils ont gagné 10 mètres, les Italiens. Magnifique. Ah, c'est bien joué. Ouais, la passe en pivot. L'accélération. Super. L'accélération magnifique. Il va y aller. Assuré à 5 mètres de la ligne, cette percée. Il faut enchaîner vite à droite. Ah, il faut l'éjecter vite ce ballon. Sinon, la défense écossaise va revenir. On est sous les poteaux du Chardon. Gros temps pour les Italiens. Vont-ils marquer leur essai? Ah, la passe volée. Ils ont perdu quelques mètres. Mais ballon toujours pour les hommes de Quesada. Ah, une accélération. Ah, il est attendu. Une souris. Ah, il est attendu, oui. La défense écossaise n'a pas mordu. Les ballons toujours pour les Transalpins. Allez, le ballon, c'est un break. Presque accélère. Un mètre de la ligne à nouveau, soutenu par Johan. Il faut le sortir, ce ballon. Il faut le sortir. Avantage en cours pour les Italiens. Éjecter ce ballon. Lamaro. Allez, il va marquer. Il va laisser. Le voilà, laissé. L'essai italien. Signé par Stéphane Varney. Sur une nouvelle offensive des Transalpins, c'est le troisième essai des Italiens dans ce match qui reprennent le score. Ça y est, l'Italie passe devant au score, 26-22. Ah, le stade se lève là, il y a une ambiance incroyable. C'est superbe, un temps fort, hein, vraiment italien, mais pour une fois, sur cette fois-ci, ils ont su retranscrire le temps fort par cet essai magnifique. Là, une belle action, chacun jouait juste, et là, une prise d'intervalle. On pensait qu'il pouvait presque aller au bout, il lui a manqué quelques mètres. Et finalement, les Italiens ont réussi à sortir ce ballon, à être quand même patients, et à marquer cet essai. On renvoie ce fan de passe, et il s'infiltre entre deux joueurs écossais pour aller aplatir cet essai. Essai de Varney. Un vrai essai de demi de mêlée. Ah, de filou, ouais. Un essai de filou. Troisième essai, trois essais partout. Les Italiens reprennent la main sous le regard de Finn Russell. L'Italie mène 26-22. Ah, et la tentative de Garbisi. Les Écossais qui se sont
qui se sont ralliés tous ensemble sous leur poteau. Là, ils ont quelques mots à se dire, à mon avis. Il va falloir retrouver du courage, retrouver de l'allant, retrouver de la précision dans leur jeu s'ils veulent bousculer les Italiens. Allez, prennent tout son temps. Paolo Garbisi, elle passe cette fois. Transformation de l'ouvreur italien salué par la présidence italienne. 28-22. Ah, le match est bien relancé là. Oui, parce que je pense que les Écossais vont répondre. La joie des joueurs italiens sur cet essai de Varmé. 28-22, on approche de l'heure de jeu. Et bien malin, qui va dire et qui peut dire qui va l'emporter cet après-midi ici à Rome. La remise en jeu de Finn Russell, très longue. Récupération justement de Varmé. Un bon dégagement. Il a trouvé une touche à hauteur des 50 mètres qui va faire souffler son équipe. On va voir si les Écossais ont la ressource pour remonter le score. On les sent moins fringants que lors de la première période. Le lancer de Ewan Krasa-Ashmane entre en jeu à la place de Turner au poste de talonneur. Le fond de touche divise la main, mais sous la pression, Russell joue au pied. Ouais, un coup de pied beaucoup trop long. Ioane Capuzzo qui rend le ballon aux Écossais en couverture. Kit Horn qui fait courir les Écossais dans leur camp, hein. Ils gagnent du terrain sur ce coup de pied et ça va revenir. Garbisi, là il y aura de la pression sur la retombée du ballon. Ioane qui a voulu capter ce ballon, mais c'est dans les mains des Écossais avec Matt Fagerson rentré lui aussi en jeu. Le cadet de Fagerson, l'aîné, c'est le pilier, Zander Fagerson, auteur du premier essai dans ce match. Il faut se parler sous ce ballon, il ne faut pas le laisser rebondir, attention. Varney, on revient à un jeu un peu plus classique. Le ballon est retardé. La libération est lente, certainement du jeu au pied en pression, bien haut, pour que les joueurs italiens puissent aller dessous et récupérer éventuellement cette balle. Elle est très bien tapée. Là, il y avait un mur blanc qui empêchait les Italiens de monter au ballon. C'est le jeu. Et le ballon pour Ali Price, qui a remplacé George Horn au poste de demi de mêlée côté du Chardon. L'expérimenté Ali Price. Ah, très belle prise de balle dans les airs. Il semble que c'est Garbisi. Oui, tout à fait. Avec le soutien, la protection est là. Et on va jouer avec les avants. On sent de la tension. Hein, là, depuis que l'Italie a repris le score, on sent que les deux équipes n'ont pas envie de se découvrir. Que ça joue un petit peu petit bras. Dans un petit périmètre, beaucoup de jeux au pied, des ballons avec des sorties très lentes. L'armée. Kin Horn à la réception, il est en dehors de ses 22 mètres. Il joue au pied. Ah ouais, plus personne n'a envie de prendre des risques à contre-attaquer de son camp. Donc c'est beaucoup d'échanges de coups de pied. Plus ou moins bien ajustés d'ailleurs. Ouais, on a franchi le cap de l'heure de jeu. Hein, on est à la 62e. Ouais, mais la pression sur Finn Russell. Les Italiens sont montés sous le voir écossais qui a pu tout de même libérer. Allez, ça va être encore, à mon avis, du jeu au pied. Les Italiens qui ne se parlent pas sous le ballon. Ils réussissent tout de même à garder la possession. On a fait ce qu'il dit l'arbitre, M. Garner. Un en avant italien. Oui, c'est ça. La situation était particulière. On sentait les joueurs écossais comme les joueurs italiens regarder l'arbitre en essayant de mettre les mains sur ce ballon, en essayant de jouer ce ballon.
ne sachant pas vraiment s'il faisait faute, donc il y avait un peu d'incompréhension. Et souvent, hein, dans les situations comme ça, quand on est joueur, on regarde l'arbitre pour savoir est-ce qu'on a le droit de faire tel geste ou pas, est-ce qu'on va être sanctionné ou pas, et on attend l'approbation. Et là, on a vu dans la statistique un Italie qui a repris la domination. La domination territoriale, parce que sur la possession, c'est 50-50. Finn Russell qui annonce la combinaison à sa ligne de trois quarts, l'introduction pour Ali Price. On est pile sur la ligne des 50 mètres. Ouais, dans l'axe de sa mêlée, hein, Finn Russell. Alors souvent, quand c'est comme ça, c'est un ballon directement pour le premier centre et une redoublée. Well done. Well done. Voilà, ballon pour le premier centre directement, ballon redoublé. Il va chercher les extérieurs avec Ingram. Intercalé, qui essaie de passer les bras, qui a perdu le contrôle et qui a commis une faute de main. Il n'y aura pas d'avantage, le jeu va reprendre donc avec une mêlée, introduction pour l'Italie. Ah, encore ce petit échelle qui empêche les Écossais non seulement d'avancer encore plus, mais surtout de multiplier les temps de jeu pour mettre la défense italienne sous pression. On va revoir Irafut, mais très bonne défense italienne qui vient prendre qui vient plaquer le joueur assez haut. De lui faire échapper le ballon, il s'en veut. Est-ce que les Écossais vont chuter une deuxième fois dans ce tournoi? Est-ce que l'Italie va signer sa première victoire dans ce Six Nations 2024? Alors, il y a un gros quart d'heure, ouais. Un gros quart d'heure pour connaître la réponse. Tout peut se passer, hein, que 6 points d'écart, c'est pas grand chose. 28-22, 3 essais partout, des intentions de part et d'autre, hein, même s'il y a des fautes de main. Et l'introduction de Stephen Barney. Ça s'écroule. L'arbitre australien va faire relever tout le monde et notamment les deux premières lignes. Sur la première période, Emily était assez stable. Là, il y a plus de difficultés. La conquête générale d'ailleurs pour les deux équipes était plus propre en première période qu'en deuxième. Est-ce que les joueurs de la squadre vont offrir à Gonzalo Quesada sa première victoire à la tête de la sélection italienne? Le stade olympique donne de la voix. Ah, ce serait une vraie performance, hein, de faire dans un même tournoi un match nul et une victoire pour cette équipe italienne. Je ne sais même pas si dans l'histoire c'est déjà arrivé. Il faudrait regarder toutes les statistiques. Les Italiens qui avaient gagné au Pays de Galles il y a 2 ans, lors du tournoi d'il y a 2 ans. Sur la dernière action d'ailleurs. Exactement. Ah, la pénalité, le pack italien récompensé sur ce bel effort collectif. Salué par Tommaso Menoncello, le trois quarts centre. Ouais, très belle mêlée, hein, conquérante. Ah, si la mêlée devient conquérante comme ça, c'est quand même de bon augure pour cette équipe d'Italie. On a tendance à dire no scrum, no win. Un adage bien connu de nos amis britanniques. Ce qui veut dire, on va parler français quand même, ce qui veut dire pas de mêlée, pas de victoire. Pas de victoire. C'est une formule que Jean-Pierre Garuet aimait bien à l'époque. Ancien pilier droit du 15 de France. Le lancer pour Gianmarco Lucchesi. Le talonneur de Trévise entre en jeu. Alignement complet, la prise italien, ouais, mais le lancer n'est pas droit. Lancer n'était pas droit. Et oui, encore ces petits déchets. Ce serait une mêlée pour l'équipe d'Écosse. On va voir sur cette mêlée si les Italiens arrivent à rééditer la domination précédente. Ah, il est chaud le stade olympique, oui. À chaque arrêt de jeu il y a de la musique, où il y a des chants du public romain, du public italien. Ouais, à côté de nous on a Scott Hastings, ancien trois quarts centre de l'équipe d'Écosse, qui a quand même le regard inquiet. Une légende, hein, du rugby écossais. Allez, l'introduction d'Ali Price.
La mêlée a tourné, mais c'est laissé à l'avantage des Écossais qui peuvent attaquer là-bas avec énorme capacité. Attention à Van der Merwe face à Capuzzo. Ah, il est revenu à l'intérieur, plaqué le 3 carré, l'Écossais. On est dans les 22 mètres italiens, mais le soutien est là. Et les joueurs du Chardon qui peuvent enchaîner. C'est peut-être le moment de répondre au score pris par les Italiens. Russell passe à l'intérieur. Ouais, t'es limite en avance là. Ouais. À destination de Van der Merwe, repoussé dans son camp. Mais ballon toujours pour les Écossais. Price. Avec Rory Derge. Soutenu par Gilchrist. Même sens. Belle pression défensive des Italiens. Ballon récupéré par les Italiens. Et ballon récupéré. Ah, ce sont des ballons importants. Ce sont des ballons importants grâce au travail de la défense. Ah, mais là, manque de lucidité. Ah, ce serait une pénalité. Heureusement, il y a une manque de lucidité puisque il avait tapé directement en touche. Mais les Écossais s'étaient mis en position de hors-jeu. Un super attaque en première main là, qui est magnifique. Une vraie occasion pour cette équipe d'Écosse qui n'a pas su finalement aller au bout de cette action-là. La puissance de Van der Merwe, mais le super plaquage de Hans Capozzo qui a réussi à arrêter cette action. Et là on voit la récupération italienne. Allez, dernière chance pour vous de jouer pendant ce match Italie-Écosse. 3000 euros par mois pendant un an, vous le savez, c'est 36 000 euros en jeu, dont 3000 euros par mois pendant un an sont à gagner. Ne tardez plus, envoyez de suite le mot rugby par SMS au 7-3003. Le mot rugby en majuscule, bien sûr, ou bien vous appelez au plus vite le 34-35. Bonne chance à vous, faites vos jeux. Les Italiens qui s'en sortent bien sur cette action quand même, parce que c'était une attaque en première main sur mêlée de cette équipe d'Écosse avec un Finn Russell qui était allé attaquer la ligne, qui a joué au large. C'était assez bien fait. L'entrée du côté écossais de Jamie Ritchie, sortie également de Louis Laina, avec l'entrée du baïonnais Federico Moris, qui fait que Tommaso Menoncello va certainement glisser à l'aile de l'attaque italienne. On verra ça sur la prochaine offensive. Ballon pour les Italiens, travaillé par les avants transalpins là, au centre du terrain. Ça s'écroule. Allez, il faut le libérer, l'offrir à Stéphane Barnet. Ça va être du pied. Tapé très haut, à la réception il y a du monde, ouais, mais c'est dans les mains des Écossais. Récupération de Matt Fagerson. Ce ballon est trop vite rendu à cette équipe d'Écosse. L'Italie a le ballon dans le camp écossais, il faut qu'ils proposent du jeu, même si c'est du jeu proche, du jeu à une passe éventuellement, mais il faut qu'ils arrivent à garder ce ballon, à garder la possession du ballon, ne serait-ce que pour faire tourner le chrono aussi. Ouais, puisqu'ils mènent, on le rappelle, de 6 points. Allez, voilà un ballon récupéré par Garbisi. Les siens, en plus, les Transalpins héritent de la pénalité. Alors, quel va être le choix? On est à 45 mètres là-bas des poteaux écossais. Ah oui, mais alors, grosse erreur écossaise, puisque ouais, on a parlé. Ils ont fait la faute. Ah non, peut-être qu'il va juste parler au capitaine. Je croyais qu'il mettait 10 mètres de plus, mais c'est pas sûr. Alors, on va voir s'il revient là. Non. 10 mètres de plus. Ah ouais, alors là, c'est ça. Ah non, on dit une bêtise, Jean, je crois que le hors-jeu était à cet endroit-là, en d'accord. Fait. Donc il a sifflé à un autre endroit, mais il est revenu se positionner précisément où il y a eu la faute. Et les Italiens qui vont prendre le but pour se mettre à l'abri d'un essai transformé. Ah, celle-là, elle est importante. Ah, elle est très, très importante, sous le regard de Gonzalo Quesada. Et il reste 8 minutes à jouer. Si l'Italie arrivait à passer à deux marques d'écart, ce serait un petit pas pour la victoire. Alors il va prendre tout son temps. Ouais, alors là, le chrono est arrêté parce que voilà, il repositionne précisément l'endroit de la pénalité. Tension extrême du côté du banc des joueurs qui ont quitté le terrain, notamment Laina. À ce ballon, il faut qu'il reste sur le tee. Oui, Laina, ce sera incroyable. Première sélection, victoire avec l'Italie, ça arrive pas tout le temps. Premier essai, première victoire, victoire au bout. Ouais, ce sera incroyable. Il est sur son bon pied, Paolo Garbisi, 35 mètres, côté droit, là-bas, pied gauche pour Garbisi. Ça rentre, ça passe, Italie
31, Écosse 22, 7 minutes à jouer. Les Italiens à l'abri de l'essai transformé. Alors là, Jean, on va vivre les 7 dernières minutes. Je peux vous dire que les Écossais vont tout tenter. Hein. Et ils récupèrent le ballon justement sur la remise en jeu. Ils sont menés donc 31-22. 9 points d'avance pour les Transalpins sur la pelouse romaine du stade olympique. Price, Russell. La montée très agressive de l'équipe d'Italie. Finhorn qui essaie d'attaquer la ligne pour gagner quelques mètres. Passe par le sol, on renverse au grand côté. Le soutien des avants. Mais gros plaquage sur Millar Mills. Price, Russell, passe à hauteur. On est dans l'intervalle. C'était bien vu pour Dempsey. Le jeu qui rebondit. Russell. Plus de temps à perdre du côté des hommes de Greg Taussen. Ah oui, il faut marquer vite. Ballon pour Fagerson. Et les Italiens qui veulent, qui vont s'attacher à ne rien céder pour arracher cette première victoire dans ces Six Nations 2024. Et les Italiens doivent lâcher. Price. Nouveau ballon pour Millar Mills. Bonne défense des Italiens. Attention, deux plaquages ratés là sur Ali Price. On est dans les 22 mètres transalpins. Et les Écossais qui avancent toujours, qui maîtrisent cette séquence. Russell n'a pas sauté pour Stein. Oh, il a glissé. Il a glissé, Kai Stein. La défense italienne a pu revenir à sa hauteur. Et les Écossais qui enchaînent. Price, Russell, passe à hauteur à nouveau. Il faut alimenter dans le sens au niveau de la défense parce qu'il va y avoir son ombre. Russell qui fait de la passe, qui sert. En avant italien. Avantage laissé à Van der Merwe et aux Écossais. Ah, les Écossais qui vont peut-être trouver l'intervalle. Oh, c'était pas loin. Un peu de confusion. L'arbitre australien qui laisse jouer toujours cet avantage à Verici. Ah, le match devient fou. Hein. Ah oui, il y a de la folie, de la tension dans ce match. Cette fin de match, on approche des 5 dernières minutes. Oh, la passe Sistera pour Stein. On est à 10 mètres de l'embut italien. Et les Écossais qui avancent toujours. Ah, les Italiens qui commencent à louper quelques plaquages. Avec Ricci. 2 mètres de l'embut. Russell passe à hauteur, la passe sautée même. Récupération des Italiens. Le contre. L'avantage était terminé. L'avantage était terminé. Ah, c'est de la folie. C'est cette fin de match. Là, les Italiens ont loupé le coche de tuer le match sur ce turnover, sur ce ballon de récupération. L'action continue. Là, ça va laisser des séquelles physiquement. Attention. Hein. Parce que le jeu ne s'arrête pas depuis un moment. Nouvel avantage en faveur des Écossais. C'est une pénalité. Sifflé cette fois par M. Garner. Ils vont être obligés. Non, ils peuvent tenter les 3 points, puisque de toute façon, il va falloir qu'ils marquent 2 fois. Il faut marquer 2 fois, effectivement. Il reste 4 minutes, mais bon, on va voir quel va être le choix des hommes de Greg Taussen. Fait de Russell qui a fait signe. Ouais, les poteaux, c'est ça. Il connaît le but. Donc l'idée, c'est de mettre ces 3 points-là et après d'aller chercher les seuls. Carl et moi, we're happy live. Il y a eu vraiment une occasion incroyable sur le turnover quand les Italiens ont récupéré ce ballon. Il fallait vite donner extérieur au plus rapide d'entre eux qui était Ange Capozzo, qui était sur l'aile droite. Malheureusement, ils ont reperdu ce ballon. À, d'ailleurs, un appel vidéo. Avec une belle averse pour arroser, si je puis dire, cette fin de match. Alors, on va écouter l'arbitre australien. Potential deliberate knock-on by Italy. Just give me a second, we're just lining up the replay. Alors, qu'est-ce qu'il veut voir, monsieur Garner? Plaquage à retardement, peut-être. Le plaquage sur un non-avant volontaire. Ça serait quoi, un carton jaune? Ça peut être un carton jaune et une pénalité beaucoup plus proche. Et à ce moment-là, il pourrait peut-être prendre la touche et la touche et pas tenter les points. Yeah, okay, so Marius,
from what we're seeing, we all agree that it's a deliberate knock-on. So yes. Now what I want to see is that was there any overlap or line break opportunity on the outside, so it could be more than a penalty at this point? Yeah, so we're just going to check a wide angle. Okay, yeah, we didn't see a wide angle down here, so we just need to assess the wide angle. So we're at a penalty only at the moment. No, and there's two attackers and two defenders. So I'm seeing two attackers and two defenders. So it's just a penalty is what I'm seeing. C'est une pénalité. Il n'y aura pas de carton, visiblement. C'est Monsieur Carl Dixon, hein, l'arbitre, le juge de touche anglais, là, de face, qui intervient beaucoup. Ça discute, hein, ils ne sont pas comme, forcément trop d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux, effectivement. Ils veulent voir une autre image. Yeah, he might have gone through the gap there. Bon, ça paraît assez évident quand même. Hey, I'm seeing two and two, so I just think it's a penalty at the moment. I'm with you guys. Yeah. I'm with you on that. Allez, ça y est, les arbitres sont mis d'accord. There's two attackers and two defenders on the outside, so just a PK. Ouais, mais la pénalité, on s'est rapproché, donc ça change beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a résultat. Regardez, Rossell va chercher la touche. Exactement. À 5 mètres de l'embut italien. Mais l'Italie reste à 15 joueurs. Hein. Ils n'ont pas pris de carton jaune. Allez, plus que 3 minutes. Un peu plus de 3 minutes. Ouais, pour marquer un essai. Les 3 dernières minutes. Ou un drop. Allez, la prise de l'alignement écossais. Et on s'organise avec ce ballon emporté, c'est structuré, mais bonne défense des Italiens en opposition. Ah, très bonne défense des Italiens hein, qui ont su contenir la puissance écossaise. Ah, ça commence à craquer, il faut jouer. Ah, on va chercher une solution plus au large avec Hugh Jones. Et Cameron Red passe sous les poteaux italiens, le jeu qui rebondit, le relais des avants. On vient presque mourir sur la ligne d'embut italienne. Le ballon côté écossais, toujours. Allez, là, il y a un essai. Il y a un essai. Oui. Essai écossais sous les poteaux. Alors là, sa recette va vite transformer, à mon avis, peut-être en drop même. Ben, il va attendre son tee quand même, mais à mon avis, il va se presser quand même pour transformer. Et il va rester un peu plus de 2 minutes. Et c'est transformé. Italie 31, Écosse 29. 2 points d'avance, donc. Et 2 minutes à jouer. Pour voir si les Écossais vont pouvoir inverser l'issue de ce match. Ouais, pour l'instant, ils ont un point de bonus offensif, mais bon, voilà, une grosse ça ne sert pas à grand-chose de s'y perdre. Alors, autant vous dire que les Italiens, ils remontent le terrain en marchant tout doucement pour taper ce coup d'envoi. 2 minutes, moins de 2 minutes pour savoir si l'Italie signe sa victoire dans ce match ou si l'Écosse renverse la tendance. Les 2 minutes qui vont être très très longues pour cette équipe d'Italie. La sortie de Menoncello avec son numéro 12. La longue remise en jeu des Italiens dans les 22 mètres écossais. Et les Écossais qui vont... Ah ben ils vont multiplier les temps de jeu, ils vont plus laisser la balle aux Italiens. Ils vont multiplier les temps de jeu pour essayer de gagner du terrain d'abord. Ouais, surtout il faut revenir dans le cas italien. Exactement. Hein, s'ils veulent hériter d'une pénalité, je dirais, dans les cordes du buteur. Mais ils vont y revenir ou par une faute italienne ou alors par du jeu à la main. Ils ne peuvent plus se débarrasser du ballon au pied. Pour l'instant, ils sont dans leurs 22 mètres. Et on est dans la dernière minute de ce match de folie ici au Stade Olympique de Rome. 31 pour l'Italie, 29 pour l'Écosse et le ballon pour les Écossais. Il va falloir que l'équipe d'Italie soit très disciplinée. Ça va certainement se jouer là. Attentif en défense et très discipliné. Et les Écossais qui enchaînent. Petit coup de pied par-dessus pour Steyn qui a récupéré le ballon. C'était distillé par Rossell magnifiquement. Les Écossais qui sont cette fois pratiquement dans le cas italien. On est sur la ligne des 50 mètres. Le contest italien, non. Ballon pour Ali Price. Rossell. Ricci. Il faut absolument que les Italiens gardent cette équipe... d'Écosse dans leurs 50 mètres. Rossell, il n'est pas passé. Et dans 5 secondes, on sera dans les arrêts de jeu de ce match. Ballon toujours pour les Écossais, maintenu par la défense italienne dans le camp du Chardon. Ah, il y a une tension extrême ici.
avec Van der Meer venu de Sonnel, repoussé, refoulé dans son camp, le colosse de la ligne de trois quarts écossaise. Ah, c'est physique, c'est très physique, il va falloir être solide pour les deux équipes d'ailleurs. Est-ce que les Italiens vont craquer? Est-ce que les Écossais vont commettre une faute de main? Pour l'instant, la défense italienne tient bon. Russell, plaqué à son tour. Et on est toujours dans le cas écossais. Attention, ça s'ouvre peut-être avec Stein. Oh, il a mis le pied en touche. Non, la passe acrobatique. Le ballon pour Ali Price. Ah, on est à 30 mètres maintenant des poteaux italiens. Et le ballon toujours pour les Écossais, mené de deux points ici à Rome. Russell. Incroyable suspense. Ah, c'est très bien défendu, bien monté, inversé. Red pass. Red pass là-bas jusqu'à l'aile pour Dempsey dans un rôle de trois carrés et il revient au cœur du jeu. Attention à l'équipe d'Italie, il doit être discipliné. Une pénalité à cette tournée du terrain et Russell pourrait la mettre et faire gagner son équipe. Jamie Ricci. Les Italiens qui veulent... Quelle tension. Ah oui, c'est vrai. Tension extrême. Hein. Quel match. Attention là-bas. La passe sur un pas. Il a glissé un petit peu. Bonne défense des Italiens à nouveau. Sistera, Dempsey. Quelle folie ici au stade olympique de Rome. Allez, il faut se replacer, il faut être lucide. Ah, ils ne vont plus avoir de souffle. Les joueurs des deux camps. Ah ouais, les deux côtés. Bilar Mills, Akilibert, Price, Russell, Kit Horn qui accélère, qui essaie de passer les bras. Bloqué à son tour. Ballon-nous toujours pour les Écossais. Pour Stein. Ah, c'est interminable. Action ah ouais, c'est incroyable. Et surtout la patience des Écossais hein, qui tiennent ce ballon. Ouais, ils arrivent à multiplier ton jeu, à être dangereux. Ali Price, Russell. Et c'est de large. Van der Meer, est-ce que ça va s'ouvrir du côté de la défense italienne ou est-ce que les Écossais vont perdre le ballon? Van der Meer ah, dans un rôle de demi-mêlée. Kit Horn qui passe les bras. Pas d'en avant. Si, si. C'est si, en avant, en avant, les Écossais, fin du match et la victoire des Italiens. Ah, la c'est joie, regardez le Gonzalo Quesada. C'est dingue. Le stade olympique de Rome est en folie. L'Italie s'impose ici 31-29. Magnifique, c'est magnifique de voir ce stade comme ça en ébullition. Tous les joueurs italiens sont allés au bout dans l'épuisement. Ils sont cuits, ils arrivent à peine à lever les bras tellement ils sont fatigués. Mais quelle fierté de ces joueurs italiens et bien sûr la détresse aussi des joueurs écossais qui sont assis sur la pelouse. Merci Yann, on s'est régalé dans ce match et dans Cédric et Vincent. L'Italie confirme la statistique, l'Italie va pour la 8e fois dans le tournoi des 6 nations. L'équipe d'Écosse, première victoire à la tête de la squadre pour Gonzalo Quesada. Le score 31-29, mais quel match Cédric. Extraordinaire, merci.